comment il fait, Ramza, il tourne comme ça. Voilà, ça va faire un... Et après, voilà, et après, il faut le bastonner au jaune d'œuf pour qu'il dort. Ça va cuire une vingtaine de minutes à 180 degrés. À tous les nez qui s'angoissent sur le confinement, prenez ce temps, posez vos fesses. Le truc qui est dingue, c'est quand on bosse comme des chiens, on rêve de ça. Pourquoi s'angoisser une fois qu'on est dedans? Il faut vivre le moment. Moi, je m'éclate. Hein. Franchement, le confinement, puis là, ça peut durer 3 mois, je suis prêt. J'aime bien la chimie de la cuisine, donc j'aime bien quand il y a des trucs à faire, quand c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, j'ai jamais fait, c'est compliqué. Je fais un bœuf en croûte. Alors, ça part très bien, là, mais je vais vous montrer. Là, le bœuf est prêt, je vais bientôt le mettre dans sa croûte. Ouais, là, j'ai préchauffé un gros beau morceau de viande. Et je l'ai roulé dans des crêpes au sarrasin. C'est une astuce que j'ai piquée à Gordon Ramsay. Et en fait, ce que j'ai fait, une astuce aussi, j'ai assaisonné les crêpes, j'ai mis une persillade dans les crêpes. Comme ça va donner du goût. Et voilà ma pâte. Bon, il n'y a pas que la bouffe, il y a le cinéma. Je continue à faire tous les trucs que j'aime bien. Quand je suis au resto, je réfléchis, j'ai envie de tourner. Et quand je tourne trop longtemps, j'ai envie de revenir à mon restaurant. Alors, Delicatessen, c'est une idée qui est née dans l'est des États-Unis. Maryland, c'est le coin où sont arrivés les colons, en fait, dans le coin là-bas. Et c'est là que sont arrivés les esclaves aussi. Donc, il y a une espèce de culture qui est tournée autour des esclaves. Les esclavagistes, ils mangeaient les pièces nobles. Et tout le reste, ils le donnaient aux esclaves. Les esclaves, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien pour cuisiner, ils n'avaient rien. Donc, ils avaient des abats. Et ils avaient du feu. Et ça a été la naissance des espèces de barbecues. L'anecdote marrante, c'est qu'en fait, il y a encore du racisme là-bas, j'en ai vu, moi. Et les mecs, ils se réunissent le week-end en famille pour faire des barbecues, sans savoir qu'en fait, leur tradition familiale de connard raciste, elle est basée sur la culture africaine. Du coup, le principe de mon restaurant, c'est de faire des grosses pièces marinées, cuisson lente, des ribs, des parons, et cuit longtemps à basse température. On fait par exemple une épaule de porc fermière, ça fait 6 kg, donc on la marine dans une bassine 2 jours et ça cuit 18 heures. Moi, ce qui me plaît vraiment, justement, c'est ce que je disais, c'est le travail sur le produit. C'est-à-dire que la viande, c'est de la viande qui vient de la ferme, et c'est pas compliqué et c'est pas plus cher. Je vais vous expliquer un truc très simple. Quand vous achetez une viande industrielle, par exemple un ribs, déjà mes travers industriels, ils sont comme ça par exemple. On s'est amusé à un truc, on le marque, on le fait cuire. J'ai plus de 30% de perte en gras, en matière dégueulasse, à la cuisson. Quoi. Je reçois des ribs maintenant qui arrivent tout droit de la ferme. Ils font le double en taille, je le marque, je le cuis, je perds 10-15% de gras. Ce qui est dingue, c'est que la différence de prix, je la rattrape largement à la cuisson, en matière. Ça me coûte pas plus cher d'avoir de la bonne cam. Et d'aider ces gens-là qui crèvent la faim, alors que les industriels, ils ont qu'à bien se faire... Voilà. Mon gars, là, que j'adore, qui me livre vraiment de la très belle terre. Maintenant, il m'amène des légumes, maintenant, il m'amène tout ce dont j'ai besoin. Je passe quasiment que par lui, et ça arrive de la ferme, hein, ça se voit. C'est grâce à eux qu'on va s'en sortir. C'est plus une mode, c'est vital. Moi, je suis issu d'une famille ardéchoise, et de boulanger ardéchois. Bon, eux, la bouffe, c'était juste primordial, ça les a sauvés de la guerre. Cette génération où la bouffe, c'était encore le tempo, c'est le moment de la journée où on se retrouve tous ensemble. Moi, je ne vais pas vous mentir, si je vais chez McDo avec mes gamins pour leur faire plaisir, je suis malade. Qu'est-ce que je mange quand j'ai la flemme? Un truc qui est vraiment simple à faire et qui marche à tous les coups, tout le monde adore, même les enfants, c'est une salade de champignons. Alors, c'est vraiment con, hein. Vous prenez des champignons de Paris, bien les peler, les couper en morceaux et une vinaigrette. Ou alors citronné même, il faut épicer un petit peu, mais c'est vraiment délicieux. Quoi. En ce moment, moi, je suis client de trucs qui là, pas branchés, j'aime pas ça, mais des trucs qui bougent, genre la bijouterie, le satna, dans le coin là-bas du Delicatessen. Ils ont un truc, par exemple, ils ont un gin tonic, ils font infuser leur gin eux-mêmes. Il y en a un qui est infusé à la vanille et au vanille et truffe. J'ai pas eu la vie facile tout le temps. Et j'avoue qu'en ce moment, je suis dans une très bonne phase que je vais garder. Je suis en train de faire attention à moi, je suis en train de...